Le jeu a encore bugué. Et voilà. J'ai cliqué. Je voulais interagir avec un objet et le jeu il a bugué. Et voilà. Bon. Je crois que j'ai voulu interagir avec... avec ceci là. Ah. J'ai voulu interagir... J'ai voulu appuyer sur le bouton et ça a bugué. Bon allez, c'est parti. On va récupérer l'extincteur. On prépare le flingue. Genre, elle va jamais venir. Ah ouais. C'est par ici. J'entends quelqu'un siffler, c'est bizarre. Les trois en même temps, c'est ça, ça va pas le faire là, les mecs. J'ai pas l'extincteur. Thank you.
Bouge ton cul. Voilà. Ouais. Vraiment que je m'en débarrasse, mais bon. Thank you.
Ouais. Elles sont quatre. Collé à cette putain de porte, mon plus grand bonheur. Oh merde. Ok, pas d'électricité, pas d'extincteur, pas d'extincteur, pas de palais. Des putains de en gros l'extincteur ne me sert à rien quoi. Il me faut un putain de fusible, sans le fusible je peux rien faire. J'ai pas ce putain de fusible, je ne peux rien faire. Il me manque quelques fusibles. Ah putain. Où est-ce qu'ils sont ces putains de fusibles? En gros ça sert à rien. Il faut les fusibles. Sont ces putains de fusibles de merde. Ok. Les fusibles.
J'espère que les fusibles se trouvent dans cette pièce. Parce que j'ai de moins en moins d'options là. Je pensais que c'était des fusibles. J'étais là, des fusibles. Enfin, des fusibles. Bon, c'est bien gentil, mais ça me passe. Vraiment que je me débarrasse de lui par contre. Ouais, j'avais oublié ce raccourci. Non. Bon. Des fusibles. Il me faut ces putains de fusibles. Yeah.
Ah, l'enculé! Chier d'utiliser
Ah merde! Oh l'enculé de sa race, putain. Ah mais où est-ce que je veux? Allez. J'ai pas envie d'utiliser plus d'énergie que ça, quoi. J'ai pas envie. Je sais pas ce qui m'attend. Ça se trouve, je vais tomber sur un putain de boss, il va me faire perdre des... J'aurai quasiment rien. Déjà, je trouve que j'ai pas beaucoup. J'ai juste ça, là. J'en ai 7, 3. Non, je peux pas m'amuser à utiliser ça. Faut que je trouve un moyen de les tuer sans me faire toucher, en fait. Automatiquement, je vais aller au fond, je sais pas pourquoi. Faut pas que j'aille au fond. Je vais aller au fond comme un abruti, faut pas que j'aille au fond, bordel de merde. Je sais pas ce qui m'attend, quoi. Allez, lâche-toi. Voilà, ok, c'est bon. On se barre. Putain, il ne reste plus que deux maintenant. Alors, je vais pas faire le mec, mais pour l'instant... Je trouve ce jeu bien plus intéressant que... et bien plus original que... Je trouve que c'est un survival horror plutôt original. Alors, ça ressemble à du Resident Evil, mais... Comme j'ai déjà dit, ça... C'est un aspect... C'est un aspect Zelda. Ils ont comme si ils fusionné Zelda et Resident Evil. Je trouve ça bien plus intéressant, en vérité, et bien plus original que... Que Tormented Souls, en fait. Tormented Souls, c'est pas mauvais, mais c'est extrêmement classique, c'est vraiment du Resident Evil pur souche. Alors que là, on a fusionné un peu de un aspect Zelda avec un aspect... Enfin, franchement, j'ai rarement vu un survival horror qui ressemblait à ça, quoi. Voilà. Après, c'est pas parce que quelque chose est original que c'est forcément bon, mais là, j'avoue que ça... J'avoue que c'est... Voilà, celui-là, il m'accroche plus que Tormented Souls. Tormented Souls, je dis pas que c'est mauvais. Mais celui-là, je suis plus dedans, quoi. Pour un survival horror, je trouve que c'est vraiment... c'est vraiment frais pour un survival horror. C'est rare d'avoir... Enfin, moi, je joue rarement à des jeux pixel art. Mais je sais pas. Pour moi, c'est... Ça se trouve, il y en a plein des jeux comme ça, des survival horror, avec un style graphique comme ça, se trouve, il y en a plein. Hein.
C'est juste moi qui vois. Mais en tout cas, je trouve que pour moi, en tout cas, en tant que à mon expérience à moi, j'ai rarement vu un survival horror avec cet aspect-là. En général, les survival horror. Enfin, oui, Resident Evil en 2D, pixel art et tout ça, mais j'y touche pas à ces trucs-là. Hein. Je touche qu'à des Resident Evil, voilà quoi. Et donc, forcément, quand tu vois Tormented Souls, tu te dis, ok, d'accord, c'est bien, mais c'est vraiment l'aspect d'un classique d'un Resident Evil, quoi. C'est très beau, c'est très cool, ça coche les bonnes cases, sauf au niveau des énigmes qui sont tirées par les cheveux. Beaucoup trop tirées par les cheveux, je trouve que à un moment donné, il faut peut-être lever le pied, hein. On n'est pas là pour non plus de. Ça reste un jeu vidéo, hein. Mais à part ça, voilà quoi. Bon, bref. Ça aussi, celui-là, je parie que c'est. Oh, sa mère! Oh, j'ai réussi! Voilà, je trouve que. Voilà. Après, ça se trouve, il y en a plein. Hein. Ça se trouve, c'est moi qui ai. Parce que je joue pixel art, moi, j'ai jamais aimé ça. Donc, même à l'époque, j'aimais pas ça. Quoi. Donc, c'est pas. J'ai jamais vraiment aimé ça, les jeux pixel art. Donc je voilà. Mais ça se trouve, à l'époque, des jeux pixel art comme ça, des survival horror en pixel art, vu de dessus à la mode Zelda, ça se trouve, il y en avait peut-être pas, hein. Et moi, j'ai jamais vu ça. Ah, l'enculé. Pas grave, au moins j'en ai eu deux. Enfin non, j'en ai eu trois. Non, j'en ai eu... Mais personnellement, j'aime bien le personnage principal en plus. Elle en fait des caisses et moi j'aime bien, ça lui donne... une personnalité quoi. Elle en fait des tonnes en mode je suis la plus belle, je suis la plus voilà. Moi j'aime bien, enfin, ça me dérange pas. Par contre je le vois pas, c'est énervant. Ça va être compliqué de le buter si je le vois. Si je le vois même. J'aimerais le voir. Ah bah voilà. Et ben voilà, sale fils de pute. Je préfère quand même aller sauvegarder. Parce que le coffre là, c'est un ennemi. Hein. À tous les coups, c'est un ennemi le coffre. Hein. À tous les coups, c'est un ennemi le coffre. À tous les fucking coups, l'ennemi c'est un... Le coffre c'est un ennemi. Essayez de me buter. Journal intime. La vie est incroyable. Le professeur Arthur et Eloïsa m'aident constamment à m'améliorer et les filles non seulement me parlent maintenant, mais reconnaissent et encensent même mes interprétations. Tout commence enfin à bien se passer. De plus, Patrizio et moi avons commencé à nous rapprocher pour l'instant seulement en tant qu'amis. Mais je pense que nous avons tous les deux des sentiments l'un pour l'autre. Il ne vient... Ben, en général, quand on est des amis, c'est qu'on a des sentiments. Sinon, on n'est pas des amis. Il ne vient pas d'une famille aussi riche que celle des autres. Bien que sa famille ne soit pas pauvre comme la mienne, c'est peut-être la raison pour laquelle il... Ou c'est peut-être juste parce que t'es canon, c'est tout. Et... Oh, qu'est-ce que j'en sais. Je dois vivre le moment présent et ne pas me trop réfléchir. J'ai aussi remarqué que Graziella n'est pas contente du fait que Patrizio et moi nous soyons rapprochés. Qui aurait cru que ma relation avec Patrizio serait la raison pour laquelle Graziella commence enfin à s'intéresser à moi. Aujourd'hui, j'ai cru la voir me sourire de loin, mais quelles que soient les pensées qui lui traversaient l'esprit, je ne pouvais que l'imaginer. Thank you.
Ah! La tête de licorne. Où est-ce que je devais la mettre déjà, cette tête de licorne? Il y a une meuf en train de chialer. Ça sent le boss, ça aussi. Hein. La tête de... Il y a une meuf en... Oh putain. Bon. On va sauvegarder avant. Il fallait qu'il vienne me faire chier, lui. Il fallait qu'il vienne me faire chier. Cet enfoiré, là. Où est-ce que je dois la mettre, la tête de licorne? Je me souviens plus. Putain. Merde. Je sais plus où est-ce que je dois mettre la tête de licorne. J'ai oublié. On sait que c'est un endroit où une meuf est en train de chialer. Putain. Juste jeter un petit coup d'œil. J'aurais dû fouiller tous les objets avant de prendre la tête de licorne. J'ai fait le con. C'est pas grave, tant pis, on va faire avec. J'aurais dû récupérer tous les objets avant de prendre la tête de licorne. J'ai été con. Maintenant, j'ai cette espèce de bouffon sur le dos. C'est chiant. Ok. Oh! Non, 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 non! Ça, c'est bon, ça! C'est bon, ça! La tête de licorne, où est-ce qu'il faut la mettre? En plus, il y a les diapositives. Où est-ce que je dois les mettre, ça aussi? J'ai récupéré une diapo. Je sais pas où je dois la mettre. La diapo. Et merde. La diapo, je crois qu'elle est là-bas. J'ai récupéré une diapo. J'ai pas sauvegardé, donc elle est pas là, la diapo. Alors ici, ça devrait être bon. La diapo, elle est là. Récupérer la diapo. Maintenant, je sais pas. Je sais plus. Je m'en souviens plus, putain. Merde. Attends. Tête de licorne. C'est pas à l'extérieur? Cette putain de tête de licorne. Il n'y a rien là. C'est pas ici. C'est quoi là? Ah bah tiens. Ah bah c'est ici.
Bah c'est parfait. J'ai trouvé. Actrice porno. Ah, sadomaso aussi. Capiche? N'importe quoi. Pourquoi pas? Elle tape encore la pose de Gogol. Vous n'êtes pas vieille? C'est pas parce qu'elle est plus âgée qu'elle a l'air vieille. Enfin, tu sais reconnaître. C'est pas parce que t'es un gosse que tu sais pas reconnaître une vieille et une jeune femme. Pas déconner. T'arrives à voir quand une meuf elle est jeune et jolie et quand une meuf elle est vieille. Enfin, à un moment donné, faut peut-être pas déconner non plus. Pas parce que t'es un gosse que t'es complètement con non plus. C'est de faire la différence entre une vieille et une jeune. Même si elle est plus âgée que toi, elle reste quand même jeune. Déchirer ton cul. Putain, par contre, je vais me taper encore cette cinématique si je me fais buter par les gonzesses qui balancent des flammes, là. Ah putain. Je vais devoir me retaper toute la discussion avec le gosse.
C'est pas sympa, les mecs, hein. C'est pas sympa. Laissez-moi souffler, quoi. Laissez-moi souffler, les mecs, là. Laissez-moi souffler, merde. Je sais même pas où je suis passé. Je suis rentré là, je sais même plus. Ouais, c'est ça. Je sais pas si c'était une bonne idée de faire ça. Ouais. Toute la discussion à la con. Allez, 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 allez. Oh là là, putain. J'ai récupéré le tableau. Après pas la disque. Ah bah tiens. Ah je peux pas. Ah, je peux pas. Bon, je peux plus lui parler. Faut ce putain d'extincteur. Ben, je pense que ça pourrait m'aider contre ses ennemis et contre. Parce que là, c'est compliqué là.
Un coup je peux passer, un coup je peux pas passer, je comprends pas. Un coup je peux passer, un coup je peux pas. Ça n'a aucun sens. Oh putain! Oh l'espèce d'enculé! Ah les bâtards! Oui, je l'avais pas prévu, lui. Alors, la diapo, le tableau, et les munitions pour l'arbalète. Et le flingue aussi. Les munitions pour le flingue. Alors la diapo, ouais, ça c'est une fenêtre, ça aussi, ça. Où est-ce que je dois aller pour la diapo? Non c'est pas ici, oh, c'est pas ici. Bon, je sais où je dois aller pour le tableau déjà, ça c'est sûr, le tableau je sais où je dois l'emmener. Le tableau c'est bon. Possible. Ah. Bon, c'est, de toute façon ici c'est pas la diapo. Donc. C'est quoi ça? Quoi?
Peut-être qu'il faut du plus jeune, enfin du plus vieux au plus jeune peut-être. Celui qui est mort le plus jeune, je sais pas. Lui il est mort en 46, 846. Je sais pas. Après, ils sont. Il y en a qui peuvent naître avant quelqu'un et qui peut mourir. Qui peut naître avant quelqu'un et qui peut mourir après quelqu'un. Je sais pas si je me suis bien exprimé. Mais là, j'ai l'impression qu'ils sont tous nés avant, et ensuite ils sont morts de 10 à 40, lui de 57 à 92. Ouais, c'est ça. Ah, attends. Non, c'est ça. Hein. Lui de 61 à 84. 61 à 94. 57. Ah, c'est ça. 57 à 92. Ensuite, celui-là. De 61 à 94. Le dernier, c'est celui-là. De 98 à 1930. Mais je sais pas si c'est ça. 1861. 1894. 70, 78 à 1912. Non, c'est pas ça. Bah, c'est peut-être le contraire. Du plus vieux au plus. Bah, du plus récent au plus vieux, je sais pas. Fais quoi là? C'est quoi ce délire? Bon, bref. Bah, je sais pas ce qu'il faut faire. Hein.
Oui, il fallait savoir compter, hein, pour comprendre l'énigme, il fallait savoir compter. Si tu sais pas compter, utilise ta calculette. Utilise ta calculette. Je sais plus où je vais là. Je sais plus. Ça. Je suis tellement pressé que je fais n'importe quoi. Cogné dedans, quoi. Je me suis carrément cogné sur cet enculé. Au moins, les ennemis ne sont pas extrêmement... Ils sont pas tirés par les cheveux comme avec... Remonter dessous. Comme avec tourmenté dessous. Je fonce sur son projectile. J'ai tout compris à la vie. Au lieu d'aller vers la porte, je fonce sur le projectile. C'est logique. Ah, oh là là. C'est là? Je sais plus. Ah non, c'est là. Enfin récupérer ces putains de fusibles. Ah oui, la diapo, je sais plus où la mettre déjà la diapo. Bon, on verra ça plus tard.
surprise, motherfucker. Mon chiffre c'est 150 pour tous, que ce soit de ce côté-là ou de l'autre côté. Donc attends. Ah non, c'est pas 150 là. Là, ils sont à 150 et c'est pas bon. Ah d'accord. Alors le bon chiffre, c'est 125 pour celui-là. 175 pour celui-là. Par contre, celui-là et celui-là, c'est pas bon. Ok. Ça, c'est 175. 1, 1, 1.
et des putains de bâtards. Vous êtes des bâtards, les mecs. Vous êtes des bâtards. Chemin je dois parcourir sans me faire électrocuter et sans me faire attaquer par... Faut que je prenne de la potion. J'y arriverai jamais. Je vais me faire forcément toucher, quoi. Je vais me faire forcément toucher. Faire tout le chemin que je dois parcourir. Je dois faire ça. Je dois aller là. Je dois faire ça. Ensuite, je dois faire ça. Je dois avancer là. Je suis obligé de prendre de la potion. J'y arriverai jamais. Je voulais pas utiliser, mais là, je vais devoir en utiliser. Là. Ça m'énerve, mais je vais devoir en utiliser. Ça me fait chier. Sinon, je m'en sortirai jamais. Je sais même pas comment je vais faire. C'est combien? 200, c'est ça? C'est pas énorme.
C'est pas ici. C'est en bas. Mais je sais toujours pas où utiliser le diapo. Allez, c'est bon, il y en a marre. Thank you.
et merde. Gourmand. Mais 1, c'est déjà pas mal. Mais non, il faut que je suis pas assez fort pour faire les deux, quoi. Il est où, Ah, je vois rien avec la statue. Putain de merde! Va te faire foutre. Non. Je me casse, rien à foutre. C'est déjà pas mal. J'en ai eu un, c'est déjà pas mal. On va faire le malin, j'ai pas envie de perdre de l'énergie bêtement pour rien. Ah, c'est compté. Cool. Ouais. Extincteur. Ah, d'accord. Bon. Oh, il y a du ray tracing. Thank you.
cherchais à savoir ce que je devais faire. Je vais tester avec ça. Attends, ouais, c'est... Tiens, d'accord, c'est bon. Ah, il est encore là, lui. Pour être tranquille, je vais sauvegarder. Pas tarder à m'arrêter, moi. C'est tout? Ça fait pas grand chose, hein. Bon, allez.